Snapper V, merci d'être là encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petits updates que j'ai fait sur mon Mitch 2000. La semaine-là, ça va être cool. Hey, bienvenue encore dans ma nouvelle review de mon Mitch 2000 customisé, upgradé si on veut. Avant de commencer, je tiens à vous dire, regardez la photo qui est montée présentement. À l'origine, c'est une réplique justement d'un casque militaire, le Mitch 2000. Puis à l'origine, il est en Kevlar. Donc, lui, c'est une réplique chinoise en fiberglass. Il est moins pesant éventuellement. Puis avec le temps, ben, je l'ai upgradé avec plusieurs pièces que j'ai jugées très nécessaires. Donc, regardez ça. Donc, on va commencer par la surface, par le devant. Les fameuses lunettes NVG de ESS. Moi, j'ai fait une modification, comme j'avais montré dans mon vidéo. Je les ai coupées et j'ai collé du velcro. J'ai cousu du velcro, autrement dit, en arrière. Quand on a le casque à la tête, c'est facile à mettre, comme vous pouvez voir. C'est pas compliqué à faire. Faut toujours couper un petit peu plus long au cas. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai repliés sur eux. Puis après, j'ai cousu mes bandes de velcro. Puis je n'ai cousu un autre ici. Donc, c'était tout simplement que ça tienne sur toute la longueur du velcro. J'ai aussi une sleeve qui embarque par-dessus pour protéger. Donc, c'est facile d'accès. C'est sûr qu'on enlève le casque. On a juste enlevé la petite attache ici. Puis on enfile la sleeve par-dessus. Vous comprenez le principe. Donc, ça protège. Vu que moi, en plus, je ne joue jamais avec ça à la tête, autrement dit, hein. Ben, sur les yeux. C'est vraiment juste pour décoration. C'est vraiment, comme je disais, au cas que je joue dans un pit, puis que ça soit venteux, tout en sorte dans les yeux. Fait que là, à partir de là, ça peut être intéressant. Donc, très content. J'ai peinturé les bandes ici qui restaient un peu avec Krylon puis avec une autre marque de peinture. Donc, Rust-Oleum, le Nutmeg, là, le Muscade. Ils sont bien conçus. Les deux côtés se détachent justement pour mettre le cover. Il y a des bandes d'aération tout ici, tout le tour, autrement dit. Donc, c'est pratique. Ils ont mis des petits formes dessus pour empêcher vraiment que les petits débris empêchent de rentrer. Puis on peut voir en dedans. Il y a plein d'aération, fait que ça empêche la buée justement de se créer, de se former. Puis ils ont mis tout le tour, quelque chose d'assez simplet là, du fond.
Donc, c'est plus hermétique quand on les met, justement par le temps venteux, là, ou pour le froid aussi. Là. Fait que, c'est une bonne paire de goggles, très satisfait. Le mounting en avant pour accueillir un Night Vision, c'est un Vash Shroud Upscore en aluminium. C'est pas trop cher, ça vaut la peine de le changer, ceux qui viennent à l'origine avec le casque. C'est, je pense que c'est 20 quelques dollars, mais vous pouvez voir sur eBay, on a souvent des bons deals là-dessus pour ça. Drapeau, c'est un ER flag, justement US. Donc, je l'avais montré dans mon autre vidéo. Fait que des fois, je les interchange de ma veste à mon casque. Je n'ai deux de toute façon. Fait que là, il a mangé un petit peu de peinture, mais ça fait le look plus vieillot. Fait que c'est parfait comme ça. C'est un must. Les étoiles côté du sens avant, petit truc comme ça en passant. L'autre patch en haut, c'est un A positif. C'est un fake, il éclaire pas, il n'y a pas d'IR, il n'y a rien dessus. Lui aussi, je l'ai crilonné un peu pour lui donner le look plus âgé. Ici, j'ai mon petit square IR flag, un pouce par un pouce. Donc, c'est un dummy lui aussi. Ça se trouve sur eBay, c'est pas trop cher, mais c'est juste que j'ai pas eu le temps encore. Là, fait que, je n'ai fait un avec un velcro tout simplement. Petite bande de velcro, je l'ai tout simplement collé. Puis quand j'ai peinturé par-dessus tout mon velcro puis mon casque, mais parce que je voulais pas que mes bandes de velcro soient noires, parce qu'à l'origine sont noires. C'était trop noir justement, je voulais que ça se fonde au moins le. Dans la couleur de mon casque. Donc, je l'ai peinturé, ça fait un beau look. Fait que, je suis bien content pour ça. L'autre flag, c'est le Calico Pirate, justement. Fait que, c'est. Il y a plusieurs cils qu'il avait mis sur leur kit une couple d'années. J'ai tout le temps trouvé que ça faisait un look cool, badass, si on veut. Fait que, je suis bien content. L'autre flag, c'est un flag normal. Donc 2 pouces par 3 pouces, je ne me trompe pas. Puis il est Coyote Brown. Donc les étoiles toujours vers l'avant. Donc c'est un made in China. Il n'y a rien de trop complexe là-dedans, mais ça fait une décoration de plus. Mon drapeau Calico Pirate, il est homemade. C'est moi qui l'ai fait. Donc le principe d'aller chercher une image sur le nez est magané, c'est sûr. Le truc, c'est d'aller chercher une image sur Google Images, de l'imprimer. Après ça, de la découper et de la coller sur le même type de carton qu'on trouve dans les bottins. Du carton glossy. Là. Fait que c'est de le coller dessus comme il faut avec la bonne colle. Puis de le taper pour éviter que l'eau rentre trop facilement dedans. Puis à l'arrière, vous découpez des bandes de velcro, vous les collez. Donc tout simplement ça, c'est ultra facile à faire. Je le conseille à tout le monde. Fait qu'à la place de dépenser des 5, 6 ou 15 $ avec les frais de shipping, des fois on peut avoir un aussi beau résultat. Si je vous l'avais jamais dit, vous ne l'auriez jamais su. Donc je n'ai même mon V21 qui est sur ma veste, c'est moi qui l'ai fait. Donc petit truc. Donc toujours des petits trucs comme ça pour sauver de l'argent. Il y en a plein, je peux vous partager plein de trucs comme ça au fil du temps. Donc pareil pour le Google Retention, donc ici pour les. Autrement dit, c'est moi qui l'ai fait. Plus qu'on fait de l'airsoft, qu'on achète, qu'on revend des choses, on a tout le temps des bandes de nylon comme ça, de surplus. T'sais, exemple, après une ceinture, on l'ajuste, on a genre 8 pouces de plus de nylon, on le coupe. Mais gardez-les ça, vos retailles de nylon. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé plus petit. Ceux qui vendent dans les magasins sont trop longs. Puis il y a un petit snap bouton, là, un bouton à snap comme, puis c'était trop long. Fait que moi, c'était juste pour sécuriser ma V-Lite. Donc, je l'ai coupé à la grandeur que je voulais, pour que ce soit plus petit. Puis, je l'ai plié en deux. Avant de mettre la vis, j'ai pris un tournevis. Je l'ai mis sur les ronds du four. Je l'ai fait chauffer. J'ai fait un point avec un marqueur. Puis, j'ai transpercé les deux couches de nylon. Évidemment, avant de le mettre sur le casque.
Puis ça a fait un trou net et précis. Donc c'est un petit truc avec un petit tournevis étoile ou pas que le trou soit trop gros. Vous pouvez juger de vos tournevis que vous avez dans votre coffre à outils. Donc encore là, brûler les coins, ça ne s'y filoche pas. C'est du nylon, ça durcit. Puis après ça, ben je l'ai attaché sur une des straps de mon casque ici. Donc beau look. Fait que si au moins ma V-Light est accrochée, elle tombera pas. Puis si elle débarque de mon flag ici, ben au moins je le perdrai vraiment pas avec, avec mon attache de sécurité et ma dummy card. Donc c'est un must. Mon A positif, donc mon groupe sanguin, mon vrai groupe sanguin. Petite flag bien normale. C'est à peu près le seul velcro que je peux changer sur mon casque parce qu'on le voit pas de toute façon. Les velcros sur mon casque, c'est tout pris à mon magasin de matériaux aussi. Donc c'est du commercial duty ou usage commercial, ultra collant, la marque Velcro. Parce que j'ai remarqué que les répliques, que le velcro, ses coins, il se décollait. T'enlevais ton flag puis il se décollait. Fait que je trouvais ça pas trop pratique. Fait que j'ai décidé de m'acheter des bons. C'est pas trop cher. Sur les côtés aussi, la même chose. Donc je les ai peinturés aussi après que je les ai mis. Petite modification que j'ai faite, j'ai arrondi les coins. Fait que je trouve que ça fait un look plus fini, mieux entretenu. Puis ça fait plus beau, je trouve. J'avais fait des tests justement avec des velcro avec les coins. Avant, j'ai eu l'idée de couper mes coins. Bon, mais c'était trop straight, là. Fait que j'ai décidé de les couper. Très satisfait. Continue avec déco sur mon casque. Il y a les stencils que j'ai créés moi-même. Je vais vous montrer un petit aperçu, ce sera pas trop long. Donc SV12 pour Sniper V. Chiffre chanceux 12. Le NKA pour No Known Allergy, donc pas d'allergie connue. Donc ça peut être pratique, mais c'est pour le look, mais c'est vrai aussi. Donc, l'autre côté aussi, le SV12, Sniper V12. Puis ici, mon Sniper V que j'ai fait moi-même encore une fois en stencil. Donc ça paraît facile comme ça, mais il faut une certaine dextérité avec les doigts. Faut être minutieux, donc j'ai fait ça avec un scalpel. Donc ça faisait longtemps que je voulais avoir mon nom sur mon casque, fait qu'enfin je l'ai fait. Faire les stencils, c'est pas compliqué. J'ai pris des cartons de bottins téléphoniques. Tu sais, ils sont transparents un peu. Également blanc, c'est pas grave, c'est d'autres affaires d'écriture. C'est le même principe ici, on voit. Notre téléphone. Fait que c'est vraiment de chercher un plan sur Google, dans le fond. Puis, moi, les miennes, c'est le style stencil, justement. Donc, c'est la plus belle, puis c'est, je pense, la plus facile à faire. Donc, c'est de le tracer. Je ne dévoilerai pas tous mes trucs, parce que si vous êtes intéressé, prenez mon email, sniper.v@commercial.com, puis je peux vous en faire. Donc, 5 lettres maximum. La hauteur des lettres, c'est 1,5 pouce maximum. Fait que j'ai vendu 12$ partout dans le monde, je suis partout dans le monde. Donc le 12$, ça inclut le shipping. Fait que ça vaut la peine. Puis je vous donne un petit. Je vous envoie par email après comment procéder pour les appliquer. Donc pour que ça fasse un bel job, pour pas qu'il y ait de la peinture partout, autrement dit. Le Sniper V, lui, est un petit peu plus long puis plus petit, donc c'est fait avec un petit scalpel, fait que c'est sûr qu'il faut avoir une bonne lame pour faire ça. Que, si vous voulez pas vous perdre votre temps avec ça, ben moi je peux vous en faire. 12$, pensez-y, ça fait un look unique sur votre casque. Ma V-Light est couleur rouge, donc il y a un petit bouton ici. On pèse une fois, ça l'allume. Si on pèse deux fois, il rentre en mode clignotement. Donc, l'usage principal de la V-Light pour l'airsoft, tant qu'à moi, c'est vraiment pour remplacer le dead rag, le drapeau rouge quand on se fait hit de jour. Mais de soir ou des opérations de nuit dans l'airsoft,
Le drapeau rouge, personne ne le voit. Fait que je trouve ça utile d'avoir une V-Light. Comme ça, si t'es hit, t'allumes ta lumière, puis t'as fait clignoter pour dire que okay, je suis hit. Fait que ça empêche au monde de te tirer pour rien. Moi, c'est une V-Light de SES Précision. Je l'ai payé 40$ à part les frais de shipping. Donc, elle s'enlève tout. C'est vraiment un matériel souple, comme ça. Fait que, elle se défait. Du mounting ici. Fait qu'il suffit juste de l'enlever de son socle, de tirer. Comme vous voyez, c'est juste ça une V-Light. Ça, c'est le mounting de la V-Light. Encore une fois, j'ai remplacé le velcro d'origine, donc pour l'usage industriel, velcro. Donc plus résistant, il adhère mieux, puis je vais être sûr qu'il ne décollera pas de la base justement. Fait que c'est carrément ça. Ça a une durée de vie qui dure assez longtemps, 100 000 heures, je pense. C'est pas grave si elle va dans l'eau. C'est pas un trouble. Si y a du monde qui se demande s'ils mangent des bébés dessus, ça va faire quelque chose. Donc non, parce que les bébés ils vont rebondir dessus. C'est comme en élastomère. Donc on peut le mettre n'importe où. Je l'ai commandé un autre, il est supposé arriver vraiment sous peu. Fait qu'il va en avoir un sous mon casque en arrière, puis il va en avoir un sous ma veste en avant. Donc, tu sais, quand t'es hit, t'allumes tes deux, fait qu'au moins tout le monde sait, ceux qui sont en avant ou en arrière de toi, que t'es hit. Fait que c'est une précaution de plus pour pas tout le temps se faire tirer pour rien, là. Fait que un must, puis ça fait un look assez cool en plus sur un casque. Fait que j'aime bien ça. La fameuse Surefire HL1A, donc la nouvelle génération. Je peux la tourner, donc à 180 degrés d'en haut en bas. Facile à détacher. Donc je vais vous parler tout de suite du même principe que j'ai fait. Ça se détache, je ne veux pas la perdre éventuellement. Fait que j'ai mis une ficelle ici. Mais c'est pas n'importe quelle ficelle, c'est dans une paracorde 5,50, il y a 7 petites ficelles comme ça. Donc je n'ai tiré une dedans, très résistant, je pense, écoute, on est bon pour 30 à 40 livres avec ça. Donc je l'ai attaché après la petite loupe ici, puis je suis allé l'attacher après le mounting justement de mon casque à l'intérieur, donc avec la vis. Fait que si... pour X raison, justement, elle se détache. On sait qu'on bouge beaucoup quand on joue. Fait que pour la détacher en plus, c'est juste comme ça. Puis on paye ici, puis on pousse. Fait que c'est assez facile à se faire détacher en cas d'accident, je pense. Fait que moi, je voulais être sûr. Ça vaut quand même cher. La mienne, je l'ai poignée sur eBay. C'est la A, justement, pour la version bleue. Donc. Ce qui est le fun aussi avec, c'est que ici, le couvercle il se dévisse un peu. Et ce que je trouve pratique, c'est que ça l'empêche au cas que les boutons, tu as deux boutons ici. Un pour le IFF qui est ici. Ici, c'est pour la lumière bleue, off, la lumière blanche. Ici, c'est pour ajouter la luminosité. Donc, tu as trois modes, low, medium et high. Donc, ce qui est le fun, c'est que pour être sûr qu'on n'accroche pas les pitons par mégarde, ce qu'on peut faire, c'est la dévisser juste un petit peu. C'est un système qui est conçu pour ça. Donc, comme vous voyez, j'ai beau l'allumer, ça ne l'allumera pas. Si je la visse au complet, bon, là, c'est là que je peux jouer. Donc, en haut, bon, je m'en ai trompé, en haut, c'est pour la blanche. Une fois médium, elle est à high. Si on repèse, elle revient à l'eau. Donc, il y a trois modes d'éclairage dessus. Sinon, si on va en bas, il y a le bleu. La lumière bleue, dans le fond, là, c'est pour faire, exemple, pour lire une map le soir, ou tu sais, pour pas dévoiler notre position avec une grosse flashlight de 300 lumens. Là, t'sais. Fait que tu allumes ça, ça fait une low signature. Donc, tu es moins visible pour l'ennemi. Puis, tu peux quand même lire tes maps, tout ça. Fait que je trouve ça pratique. Encore là, trois intensités. Fait que le IFF, comme je vous avais montré dans l'autre vidéo, bon, ça c'est le Nightshot. Fait que, comme je disais dans mon autre vidéo, la nuit, là, ça fait un gros clignotement, puis on peut pas se faire rater. Là. Fait que, un must, belle flashlight.
Donc pour la peinture de mon casque, encore une fois, c'est plate que sur caméra, ça reste pas mieux que ça. Parce qu'il y a plusieurs effets de couleurs sur le ton, en tout cas. Il y a 4 couleurs de mis dessus. Donc il y a la compagnie Krylon, justement, les couleurs camouflage, là, le brun. Il y a le kaki, donc, qu'on peut voir ici. Peut-être mieux l'autre bord. Le kaki est comme beige sable. Dans les lignes, c'est la couleur rostoleum, le nutmeg, donc le muscade en français. Puis la compagnie rostoleum, encore une fois, la couleur orégan. Donc on le voit pas beaucoup, mais c'est des petites shades de verre, comme verdâtre un peu. Qui va chercher le vert qui est sur la tenue 3 couleurs désert. Donc un petit verdâtre dessus. Fait que ça paraît pas beaucoup, mais... Sauf que sur certaines photos, vous avez vu au début, puis vous allez en voir d'autres, ils paraissent un peu plus, mais en vrai, c'est le jour et la nuit. Là, on voit plus les détails. Il y a beaucoup de travail qui a été mis dessus. Donc, la peinture, je l'ai faite avec un filet, autrement dit. Il y en a qui utilisent des mini filets. Moi, j'étais moins convaincu des petits. C'était trop vu souvent. Puis là, c'était plus gros. Fait que moi, j'étais dans le médium. Fait qu'on le voit moins souvent. J'étais allé avec plusieurs teints, justement, pour faire le style filet. Je n'ai pas trop mis. Je trouve comme pas assez. Puis, très satisfait de la couleur de mon casque. Ça fait un look unique. Donc, finalement. Upgrade qui est assez important quand on achète une réplique chinoise d'un casque quelconque. Donc c'est le chin strap, la marque Skydex, puis les pads en dedans. Gros must, sérieusement là. Je le conseille à tout le monde. Premièrement, comme je disais dans mon vidéo de mon loadout, les compagnies chinoises, les répliques à l'origine, ils se défont tout le temps tout seul. Je courais ou je faisais tout ce qui était à faire, comme quand on joue. Puis mon casque, il venait tout le temps à l'os à la tête. Fait que ça m'a pris du temps avant de les changer, parce que c'était pas vraiment de priorité. J'avais juste à les resserrer. Puis c'est vraiment pas dur, on tire dessus puis ils se serrent. Mais eux autres, au moins, ils se délossent pas, là, t'sais. Fait que c'est un système d'attache à 4 points dedans. 2 en avant, puis 2 en arrière. Donc c'est le style H. C'est en forme de H, on peut voir, c'est comme une lettre. Sinon, il y a en forme de X, que ton soutien en haut du cou, qui est au niveau de la nuque, autrement dit. Donc, le plus commun, c'est en H, comme ça. On peut acheter justement, si on veut qu'il soit plus collé, comme ça, ou bien plus distancé. Ça dépend de la grosseur de la nuque. Donc, moi, je l'ai crilonné, encore une fois. Il était noir à l'origine. Que ça lui donne un look plus vieillot. C'est sûr qu'en dedans, on les peinture pas, là, parce que ça a un contact direct avec la peau. Sinon, les attaches faciles d'utilisation. Il donnait des vis avec. Bon, j'ai changé les vis. C'est très bien fait. Il y a des bonnes vis dedans. Donc, ça se défroit pas. Skydex, bonne compagnie. La clip. Aussi, la mentonnière est mieux que sur les origines. Donc, j'avais comme 3 choix à aller dans les chin straps. Il y a teamwendy.com qui font justement des chin straps pour les casques, des systèmes de padding pour les casques. Une compagnie moins connue, mais utilisée par les Navy Seals aussi. Donc, je donne un petit tip comme ça, là. Team Wendy, pas grand monde qui connaisse ça. Donc, sinon, il y avait UpScore, justement, qui font des chin straps, une compagnie très connue. Puis il y avait Skydex. Donc, le padding, il venait avec 8 coussins en tout. Donc, un gros rond. Moi, c'était la taille 6. Il y avait la taille 6 et la taille 8. La taille 6, c'est juste que 3 quarts de pouce d'épaisseur. Donc, si vous demandez c'est pourquoi la taille 6, taille 8. Donc, moi j'avais fait des recherches, puis j'avais découvert ça. Que la taille 6, justement, c'était juste l'épaisseur en pouces des matériaux. Donc, un must. Puis avec les ESS, justement, il y avait. Ouais, c'est ça, c'est des NVG, profil NVG.
Donc, il finit avec deux lentilles. Donc, si je joue le soir, ben, je peux interchanger justement mes lentilles fumées pour l'éclair. J'espère que ma vidéo a été instructive. Il va en avoir d'autres. Joignez mon Facebook. Il y a toujours plein d'infos intéressantes qui sortent en premier lieu. Donc, visitez mon blog. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne YouTube, liker, rater. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo, les gars. Je vous promets de saluer.